Good morning, allez, donnez-nous sur aujourd'hui le Nishmat, Avraham, Mordechai, Ben Yisraël, Vafani, Dvorah, Bat Esther, Rachel, Racha, Bat Masouda, ainsi que les Refouat, Abba David, Ben Esther, et Esther, Bat Isa, Bat Or, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi des deux, une prochaine tune, Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sérat Ktuvot, Perek Alef, Mishnah Bet. Betula, Ktuvata, Mataim, Ve Almana, Mane. Betula, Almana, Grusha, Vachalutza, Mina, Irusin, Ktuvata, Mataim. Ve Yesh, La Entanat, Betulim. Agioret, Ve Ashvouya. והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלוש שנים ויום אחד כתובתן 200 ויש להן טענת בתולים. Le sujet essentiel de tout ce chapitre, c'est la ta'anat betulim, qu'on a déjà exposé un petit peu hier. Aujourd'hui, on va l'approfondir avec un autre aspect. Je m'explique, c'est quoi une ta'anat betulim? Une femme qui est vierge, alors elle a un corps différent, comme une bouteille. Une canette de coca qui est encore fermée. Ouais. Ou une bouteille qui est fermée et qu'on voit que le bouchon est fermé. La même chose aussi, une jeune femme, une jeune fille, elle est censée être vierge. Ça signifie que si on se marie avec elle et qu'on a un rapport, eh bien, on va avoir le droit d'ouvrir une canette pour la première fois, de percer une membrane à l'intérieur et d'avoir du sang qu'on va récupérer sur le drap. C'était entre parenthèses douloureux pour les jeunes filles. Ça, elles avaient parfois des maux de tête pendant 4 jours, et c'était assez désagréable pour la première fois, mais comme ça que le Shabbat il a fixé dans le monde qu'au moins quand l'homme se marie avec une femme, il sait que c'est là. C'est que pour lui, elle n'a jamais eu d'écart ailleurs. Ça, c'est le côté, la virginité, c'est ça, c'est une membrane. Donc, d'accord. Maintenant, le sujet de notre Mishnah, elle est la Ta'anat Betulim, un homme qui se marie avec une femme, et que le soir du mariage, il réalise qu'en réalité, elle était déjà ouverte. D'accord? Elle n'était pas vierge. Ça ne trompe pas. Jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, si elle est vierge, on le voit. Et si elle n'est pas vierge, on le voit aussi. Après, jusqu'à l'âge de 20 ans, la Gemara explique qu'elle prend un statut un peu spécial, c'est comme une moukot etz. On expliquera plus tard c'est quoi une moukot etz. Mais c'est qu'en réalité, elle a cette membrane un peu plus affaiblie, on ne sent pas assez, mais il reste encore quelques petites traces de sang. Je vous avais dit aussi dans le cas où il y a même une bracha à faire, une roquette, est-ce qu'il va le faire avec Gacham ou Malchut ou pas, quand après le mari, après le premier sens du mariage, il voit sur le drap qu'il reste des petites traces de sang, faire une bracha sur le fait qu'Hachem, il a sanctifié le Ham Israël, qu'on a des femmes propres qui rentrent sous la choupa. Maintenant, on reste maintenant sur notre Mishnah, avec donc la Tanat Betulim. On a vu dans la première Mishnah que la Tanat Betulim, ça veut dire qu'une fois qu'on se marie, on va se plaindre au Beddin qu'elle n'a pas de Betulim. La fonction essentielle, elle était d'abord de faire courir le bruit qu'on a eu un problème avec cette femme. De manière à ce qu'on va avoir des témoins qui vont peut-être venir nous raconter que cette femme, elle a eu un écart pendant qu'elle était fiancée, spécifiquement. Dans notre Mishnah, on va s'intéresser en fait à une nouvelle forme de Ta'anat Betulim, c'est de faire courir le bruit que cette femme, elle était vierge. Dans notre Mishnah, ça ne va pas être tellement le cas, au contraire. Mais en tout cas, par rapport à un autre aspect, c'est le plus le côté argent de l'histoire. Parce que la Mishnah m'enseigne comme ça. Elle commence à ouvrir d'abord la Mishnah en disant « Betula ktubata mataim, ve'almana mané, une femme vierge, il faut lui donner le ktuba de 200 zouz. Et une femme veuve, ou en fait, toute femme qui a déjà perdu ses betulim, elle a déjà eu un rapport avec quelqu'un, parce qu'elle était mariée divorcée, parce qu'elle était mariée veuve, ou parce, tout simplement parce qu'elle a eu un rapport, comme ce qu'on l'a reçu dans la Mishnah, sa ktuba, elle est de un mané. De la, un seul mané, un mané c'est la moitié de 200 zouz. 200 zouz c'est l'équivalent de c'est la dot minimale qu'un homme doit donner à sa femme lorsqu'elle a divorce. On rajoute en général beaucoup plus, comme on verra plus tard dans le Mishnah, beaucoup plus tard même. Mais en tout cas, 200 sous, c'est le minimum pour pouvoir vivre pendant un an, être nourri et blanchi plus ou moins. Et mané, c'est la moitié, c'est juste 100 sous. Donc la Mishnah me dit, tu sais, il y a un prix qu'il faut payer lorsque tu te maries avec une femme vierge, il y a un prix qu'il faut payer si on se marie avec une femme qui est almana. Et la problématique de notre Mishnah va être de savoir qu'est-ce qui se passe, toutes sortes de situations, un homme qui se marie avec une femme qui était censée être vierge, et qu'après coup il réalise qu'elle a déjà été ouverte. Alors qu'est-ce qu'il fera? D'accord? C'est-à-dire, alors on va déjà poser l'axiome de base. Un homme qui se marie avec une femme vierge, elle n'a pas eu le temps d'avoir des écarts entre les fiançailles et le mariage. Comme on a expliqué, les fiançailles, c'est qu'on lui donne la bague, qu'elle devient une femme mariée, mais qu'ils n'ont pas encore de rapport entre eux. Elle n'a pas le temps d'avoir des écarts avec un étranger. Mais le problème, c'est que le mari s'est marié avec une femme qui était censée être vierge. Et maintenant, il se retrouve avec une femme qui était Béoula. Il n'en veut pas de cette femme.
La Mishnah, en fait, elle va m'apprendre entre les lignes qu'il la divorce sans lui donner aucune ktouba. Même pas le prix de la ktouba d'une femme qui a déjà été ouverte, qui a déjà eu un rapport. Pourquoi? Parce que c'est Mekartaout. Il a été trompé dans le. Il a acheté un achat par erreur. Je suis venu acheter une canette de coca, j'ouvre le coca, je vois qu'il y a du Fanta dedans. Qu'est-ce que je fais? Même si j'ai bu la moitié de la canette, je lui dis, oh, pour un truc, quand je te rends ta canette, tu me rends tout mon argent. C'est un Mekartaout. C'était une erreur. Si j'ai bu. Donc du coup, maintenant, il s'est marié avec une femme vierge, il retrouve que la femme, elle est Béoula, elle a déjà eu un rapport avec quelqu'un, il n'en veut pas, retour l'expéditeur, il la rend à son père, il lui donne un guet, il n'écrit aucune ktouba. Ça, c'est l'élément de base. Donc maintenant, nos Mishnayot, on va s'intéresser à certaines femmes, qu'elles avaient... Il n'a pas posé de questions avant de se marier, il était trop timide, il n'a pas demandé est-ce que tu es vierge ou pas vierge, c'est pas propre de parler comme ça, mais elle était censée être vierge. Parce que quelqu'un qui se marie avec une jeune fille, elle n'a pas besoin de demander est-ce que tu es vierge. Ce n'est pas une question qu'on pose. Elle est censée être une jeune fille propre, de bonne famille. Il se marie avec elle. Il trouve que ça manque de bitoulim. Il lui dit, dégage gratuitement. D'accord? Ça, c'est pour une situation normale. Maintenant, on va se retrouver avec toutes sortes de situations un petit peu ambiguës. Il n'a pas posé de questions, mais il a déduit que logiquement, elle est vierge. Et finalement, le lendemain, il réalise qu'elle n'est pas vierge. Qu'elle n'est pas vierge. Après, le lendemain, il va se plaindre au Bedin. Qu'elle n'était pas vierge, il veut la divorcer gratuitement, et selon le cas, le Bedin va lui dire, tu as raison, elle était censée l'être, elle ne l'est pas. Ça, il y a eu erreur dans l'acte d'acquisition, tu la divorces sans donner de ktouba, et des fois, on va faire mieux de dire, mais il fallait utiliser un petit peu ta tête, tu pouvais réaliser qu'elle n'était pas forcément vierge. C'est la problématique de nos trois prochaines Mishnayot. De Mishnah, Bet Gimel, ça va nous dire des situations où elle est censée l'être, et donc tu as raison. Et Mishnah Dalet, ça va être la réciproque de la Mishnah Bet Gimel, qui va me dire, dans toutes ces situations-là, eh ben, tu as tort si tu te plains qu'elle n'était pas vierge, parce qu'il fallait ouvrir les yeux, utiliser ta tête, et comprendre qu'une femme qui a déjà été mariée, ben forcément, elle a déjà eu un rapport. D'accord? C'est à peu près le principe. Alors on commence à faire ça dans les mots. D'abord, je reprends la première phrase, Betula Ktubatamataim, une vierge. Il faut lui donner une Ktubat au minimum de 200 zouz, ve almana est pour une veuve, au minimum mané. Un mané qui coûte 100 zouz, la moitié. Betula almana grusha vachalutza. Une vierge qui est veuve, qui est divorcée ou qui a fait la chalitza. D'accord? En fait, elle était veuve et qu'après, elle s'est retrouvée dans le yavam et le yavam, il a fait la chalitza. Dans toutes ces situations-là, si elle a été mina erusin ktuvatan mataim, si ça s'est passé depuis les erusin, en fait, elle a juste été fiancée avec son mari. Et après, il est mort, ou après, il a divorcé en lui donnant le guet, parce que comme on a expliqué, quand on fait les hirousines, souvenez-vous pour tout bon, que j'ai plus besoin de répéter à chaque fois, quand on fait les hirousines, on se fiance, c'est pas les fiançailles comme chez nous, c'est qu'on donne une tabate en lui disant qu'on veut du châtelet, mais ça crée le rapport, le côté acquisition de la femme, mais pour le moment, on n'a pas encore le droit de s'isoler. Ok? Maintenant, donc, là, si ça s'est passé que maintenant, elle a été betoula, elle est devenue veuve, divorcée, ou elle a khalitza, mais tout ça, alors qu'elle n'était que fiancée avec son premier mari. Dans toutes ces situations-là, la Mishnah me dit, il faut lui donner une ktouba ktouatan mataim. Lui revient de droit une ktouba de mataim. Parce qu'elle est censée être. Peut-être qu'elle était mariée. Elle était peut-être été. Ouais, c'est vrai qu'elle était mariée. Mais en tout cas, elle n'a pas eu l'occasion de rencontrer son mari. Et donc, elle est pour le moment vierge. De ce fait, il faut lui donner une ktouba de mataim. Et dans ce cas-là, veyesh lahen ta'anat betulim. Et il pourra prétendre qu'elle n'avait pas les betulim. Et donc, la divorcer sans lui donner de ktouba, comme il nous dit le Barthénora. Pourquoi? Parce que finalement, jusqu'à maintenant, c'était une bonne fille de bonne famille qui s'est mariée. Jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, elle s'est mariée. Elle n'a pas eu le temps de connaître son mari, elle a déjà divorcé. Lui vient, il dit, écoute, moi j'ai décidé de la prendre finalement, mais je pensais qu'elle était vierge. On lui dit, t'as raison de croire qu'elle était censée être vierge, et c'est elle qui a tort, si toutefois en réalité elle n'était pas vierge. D'accord? Ensuite, autre situation encore, c'est à Gioret, Vehashvouya, Vehashifra. Gioret, c'est la convertie. Vehashvouya, c'est la femme qui a été prise en captivité. Et donc, elle a été prise en captivité par des goyim. On aura l'occasion aussi d'en parler plus dans les détails plus tard. Une femme qui part en captivité, vous comprenez que ce n'est pas des gens assez délicats. Et d'accord, ils ont probablement abusé d'elle. À partir du moment où la femme a été prise en captivité, on craint qu'elle a eu un rapport avec lui. Donc si maintenant, quand elle avait 8 ans, elle était prise en captivité pendant 3 jours, 2 jours, chez
Mouloud et Farid, et après on la rend. Si après quelqu'un il va se marier avec cette jeune fille, puis il va découvrir qu'en réalité elle était plus Betoula. Alors la Mishnah, on va voir justement, la Mishnah me dit pour le moment, et idem aussi pour une Shifra, une servante, à 8 ans elle était affranchie, que toutes ces femmes-là, Nifdou, elles ont été rachetées, Venit Gaïro, elles ont été converties, ou elles ont été libérées, Venishtachriru, elles ont été libérées. Dans toutes ces situations-là, si ça s'est passé, l'événement, avant Proutot Mibnot Shalosh Shanim Veyom Echad, car elles étaient encore moins, avec un âge moins que 3 ans et un jour, dans toutes ces situations-là, Ktuvatan Mataim, le reviendra de droit une Ktuva de 200 sous, Veyeshanam Talnan Betulim, et on pourra prétendre pourquoi elle n'était pas Betula. En réalité, ça aurait été plus simple d'étudier d'abord la Mishnah de Lettres, qui va me dire que, sache que, on va prendre le cas par exemple d'une Jvouya, une femme qui était prise en captivité, alors qu'elle avait 7 ans. 8 ans. Après, quelqu'un se marie avec elle à 12 ans. Il se marie avec elle à 12 ans et il réalise qu'elle était plus vierge. Il va, il se plante Bedine, il dit, mais elle n'était pas vierge, cette femme. On lui dirait, l'ami, tu avais bien entendu qu'elle était prise en captivité. Qu'est-ce que tu crois qu'ils ont fait? Qu'ils ont joué avec elle à la marelle. Donc, tu peux pas te plaindre que tu l'as trouvé qu'elle n'était pas Betula. C'est à toi d'utiliser ta tête. Ça, c'est pourquoi on avait plus que 3 ans. Mais tant qu'elle n'avait pas encore 3 ans, hein, si ça s'est passé l'événement, qu'elle était prise en captivité quand on avait 2 ans uniquement, et qu'après on l'a rendue tout de suite, avant son âge des 3 ans, eh bien dans ce cas-là, on va dire que, alors là, il pourra prétendre de dire que j'étais censé, je me suis marié avec une femme qui était censée être vierge, et elle ne l'est pas, je me plains, qu'il y a eu erreur dans l'acte d'acquisition, et demande à annuler le remboursement. D'accord? Et d'annuler le mariage, et enfin... Donc de lui donner juste un guet sans lui payer l'actuba. Idem aussi pour le principe d'or, le principe de base, c'est qu'à l'âge de 3 ans et un jour, les betulim reviennent. La Gemara explique qu'en fait, même si c'est comme si que la Gemara compare ça, comme si quand on donne le doigt, on met le doigt dans l'œil, il va y avoir toujours des larmes qui vont revenir constamment. D'accord? Idem aussi, je ne sais pas pourquoi on compare ça, qu'un autre. La Gemara, elle est donc, concrètement, si je veux conclure, c'est que, après 3 ans et avant 3 ans et un jour, même si la petite fille va être abusée, les Betulim vont se reformer. Et ils vont ensuite donc redevenir et re-remplir 2 ans. À partir de 3 ans et un jour, celui qui va percer là-bas, ça ne va plus revenir. Et donc dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on fixe cette limite-là. Que jusqu'à l'âge de 3 ans et un jour, même si on a abusé d'elle, il n'y a pas lieu de craindre qu'ensuite. Si après 3 ans, quand elle a eu 3 ans et un jour, elle a finalement récupéré ses betulim. Et dans ce cas-là, si toutefois après tu te mets avec elle, enfin quelqu'un se met avec elle et réalise qu'il y avait un problème, il pourra effectivement se plaindre que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de betulim, c'est qu'elle a eu un écart plus tard. Ok? Pourquoi maintenant on a parlé de Gioret, Shvouya et Shifra? Parce que, alors, le plus simple c'est d'expliquer quand on a dit la Shvouya, ceux qui ont besoin de captivité, ils ont abusé d'elle. Shifra, la même chose, vous imaginez chez les servantes, ouais, qu'il ne calculait pas tellement est-ce que la fille était sensible, est-ce qu'elle allait avoir un problème de développement psychologique en grandissant ou pas. On abusait d'elle facilement entre les esclaves et tout ça, ils avaient leur truc. Et idem aussi chez la guillorette, la convertie, que tant qu'elle était encore chez les goïms, malheureusement, tout est possible. J'espère que chez les juifs, c'est pas encore possible. Malheureusement, on entend des tas de cas. Mais en tout cas, en théorie, chez les goïms, ils sont plus... c'est presque quelque part... Une fille qui se convertit à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans avec ses parents, elle ne peut pas se convertir toute seule, mais si elle ne peut pas se convertir, alors elle ne peut pas se convertir. Et après, quelqu'un va se marier avec elle à l'âge de 12 ans, il va dire, ah, je ne l'ai pas trouvée, mais elle était censée être vierge, puisqu'elle s'est convertie quand elle avait 5 ans. On va lui dire, écoute, l'ami, quand elle avait 4 ans et qu'elle partait au GAN, enfin à la maternelle avec chez les Goïm, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé chez les Goïm. C'est à toi de réfléchir tout seul. Ça, on verra plus tard dans la prochaine Mishnah. Pour le moment, la Mishnah, quand elle me dit que jusqu'à l'âge de 3 ans et un jour, tu pourras venir prétendre que tu n'es pas content d'avoir trouvé les Betulim, parce qu'elle est en cessation de vierge, et tu auras raison, parce qu'à partir de 3 ans et un jour, ces Betulim reviennent, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.